vous demande honnêtement un moment de silence, d'accord, et un moment d'appréciation. Moshe parle à une époque, d'accord, où les grappes de raisin en Israël sont tellement grandes et lourdes qu'il faut 10 personnes pour les porter. D'accord. Et ça s'appelle pas encore la terre où coule le lait et le miel. Cette plus grande bénédiction encore va se révéler seulement de nombreuses années après, lorsque Israël sera installé sur sa terre. Où là, il faudra peut-être un camion pour transporter une grappe de raisin. J'exagère, mais tout comme on a des témoignages incroyables à l'époque biblique. Vraiment, les figues et les dattes étaient tellement grosses qu'elles s'ouvraient sur les arbres et leur miel coulait. Et il y avait des ruisseaux de jus de dattes qui coulaient à l'intérieur des vergers. Et donc, Moshe, c'est la terre qu'il a devant les yeux. Mais comment peut-il prendre le risque de dire qu'un jour viendra où les Juifs reviendront sur leur terre et ils trouveront une terre malade, dévastée, ravagée, recouverte, comme on va le voir, par le sable et la poussière? Mais comment il peut prendre ce risque? On a des témoignages des premières aliotes de juifs qui montaient à l'époque du Baal Shem Tov, du Gaon de Vilna, ou déjà avant les exilés d'Espagne qui sont partis à Tzfat. Il n'y avait rien à manger, rien à manger. C'est un témoignage d'il y a 300 ans. Donc c'est pas des blagues tout ça. Il n'y avait rien à manger. Et donc rien ne poussait. Nos maîtres font remarquer que ça aussi c'est une prophétie absolument incroyable. Pourquoi? Parce que nous avons été exilés combien de fois depuis la sortie d'Égypte? 4 fois. Babylonie, Grèce, Babylonie, Perse, Grèce, Rome. Il n'y a qu'une seule fois sur les 4 exils où on a été exilés aux 4 coins de la terre, c'est Rome. En Égypte, on était tous ensemble au même endroit. En Perse, on était tous ensemble au même endroit. L'exil de Grèce, on était tous ensemble, une partie en Israël et l'autre qui était restée en Babylonie perse. La Babylonie était devenue perse. C'est-à-dire que les Iraniens avaient conquis l'Irak à cette époque-là. Donc, il y avait toujours 4 cinquièmes au même endroit et 1 cinquième qui était revenu sur la terre. Et l'exil aux 4 coins de la terre n'a commencé que ces 2 derniers millénaires. C'est le plus long aussi. Donc, Moshe ici fait explicitement allusion au fait que le dernier exil, qui est l'exil de la véritable dispersion, sera lui aussi, se terminera lui aussi un jour. 3 versets plus tard, Moshe, le même Moshe nous dit, « Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha, Hashem reviendra avec tous les exilés, Verichamecha, il t'aimera à nouveau, Veshav, il reviendra avec Kibetzecha, il te rassemblera, Mikol Ha'amim, de tous les peuples, Asher Ifitzicha Hashem Elokecha Shama, de partout où il t'a exilé. » Après,
après 2000 ans d'exil, un miracle extraordinaire. La terre redonne ses fruits, la construction incroyable, toutes les villes qui étaient en ruine sont toutes été reconstruites. Beersheba, Dimona, du nord jusqu'au sud, tout a été reconstruit. Regardez en 60 ans, miracle israélien, incroyable, on a tout reconstruit. 2000 ans d'exil, le pays était sous le désert. Voilà que Am Israël retourne sur sa terre, l'agriculture israélienne, une des plus grandes puissances du monde au niveau de l'armée. On voit que l'économie extraordinaire, le monde est en train de s'écrouler, on est comme Am Israël, Chai Vekayam. On voit que le peuple juif est revenu sur sa terre, la terre redonne ses fruits. On voit que la terre sourit au peuple juif après son retour. On est constamment en train de chercher des preuves que la Torah, elle est vraie. Mais trouverez-moi un autre texte sur terre qui peut dire des choses pareilles. Nous sommes, entre autres, la génération qui voit véritablement l'application de cette prophétie. Le peuple juif, la nation d'Israël, sont prédestinés à un futur, à un avenir prophétique. Je répète, Israël est l'horloge de Dieu. Les juifs sont maintenant, depuis le 14 mai 1948, une nation, voyez, au même niveau que toutes les autres nations, que le Canada ou d'autres pays donc, du monde. Les Ottomans, les Turcs, les Anglais, qui n'a pas essayé, les milliards qui viennent du monde et du Qatar, qui n'a pas essayé de transformer ce désert marécageux, désert au sud et marécage au nord, en paradis terrestre? Les Juifs sont venus en 100 ans, avec 1000 guerres et le terrorisme et l'absorption de Juifs venus du monde entier, chaque problème suffisait pour ruiner le pays. On a fait, en 100 ans, de ce désert un paradis. Je comprends que ça réveille la jalousie. Les Juifs sont arrivés dans le Gush Katif. Les anciens n'osaient pas le dire à voix haute, les appelaient, comment? Les Juifs de la pluie. Parce que nous, on n'a jamais vu la pluie ici à Gaza. Depuis que vous êtes arrivés, il recommence à pleuvoir. Et les dunes, on les a transformées en paradis. Alors je comprends que ça réveille la jalousie, parce que cette réussite, elle est complètement surnaturelle. La terre ne se donne qu'à son mari et ses noms. Et eux, comme ça fait 3500 ans qu'ils se rendent compte qu'ils ont beau essayer de cultiver la bande de Gaza, ça ne marche pas, et nous on arrive, on touche la terre et elle frissonne d'amour, ça les rend fous. Pourquoi? Parce que nous sommes le miroir de notre identité. La preuve que la terre est à nous, c'est que nous, vos dunes, on les transforme en Gush Katif, et vous, avec les milliards que vous recevez de l'UNRWA, d'accord, vous n'êtes pas capable de faire pousser un arbre. La seule chose que vous êtes capable de faire, c'est construire des hôtels de 5 étoiles et des voitures de luxe pour les dirigeants du Hamas. נעשה מאמץ מאוד גדול בכל מיני מכוני מחקר בישראל להגיע לעגבניה עם חיי מדף ארוכים, וכתוצר משנה גם פותחה עגבניית השרי ששיווקית תפסה באירופה מאוד מאוד יפה, וזה הפך לגולת הכותרת. Comment s'appelaient les Juifs du Gush Katif? Les Juifs de la pluie, qui les appelait comme ça? Les Palestiniens qui en cachette avaient le courage de leur dire, oh, c'est vous qui avez ramené la pluie. Les Juifs de la pluie, moi je l'ai entendu comme des milliers d'autres de mes propres oreilles quand j'allais dans le Gush Katif, que les vieux Arabes disaient, oh, les Juifs, Yudim, Yudim, c'est les Juifs de la pluie. L'eau
de la bande de Gaza vient d'Israël. Pas seulement l'eau, l'électricité, tout le reste, mais même l'eau. Parce qu'on en a en trop, bien évidemment. Et donc, toute l'eau vient d'Israël. Je ne sais combien de... C'est presque un tiers qui part déjà en Jordanie. Combien qui part en Jordanie ? 30 millions de mètres cubes. En tout cas, c'est des chiffres démentiels par rapport à un pays qui n'a pas d'eau. Et le peu qui nous reste, une bonne partie part aussi à Gaza. Ça, le monde ne le sait pas, bien sûr. Mais, donc, on est les seuls à pouvoir, dans ce désert, trouver de l'eau. Alors, profitez-en. Non. On va tout boucher. Et la terre promise, la petite partie qu'il contrôle, est en train actuellement d'exploser en productivité. L'armée d'Israël est puissante, l'aviation d'Israël et les aviateurs israélites sont reconnus pour être les meilleurs au monde. Quelque chose de merveilleux. Ils ont accompli des choses incroyables. La renaissance miraculeuse d'Israël depuis le 14 mai 48 est quelque chose de prophétique. On le voit aujourd'hui, Israël, entre autres, a inventé une technologie qu'il vend dans le monde entier, c'est l'irrigation goutte à goutte. Donc, c'est des choses absolument inimaginables, le génie d'Israël, dans un pays où, justement, il n'y a pas de possibilité de réussir dans l'agriculture puisqu'il n'y a pas d'eau. Israël est aujourd'hui considéré comme l'un des leaders dans le domaine de l'agriculture. De nombreuses prouesses technologiques ont contribué à cette réussite sans appel. L'une d'entre elles se trouve être le système du goutte à goutte. Donc, on a reçu là-bas la région la moins fertile et on l'a transformée en paradis. Qu'est-ce qui va se passer ? Vaïgdala ish vaïeler alor gavegadel akigadal meod. Le juif a réussi là où personne n'avait réussi. Les Ottomans ont essayé, ils n'ont pas réussi à transformer les marécages et le désert en paradis terrestre. Les Turcs ont essayé, ils n'ont pas réussi. Les Anglais ont essayé, ils n'ont pas réussi. Tout le monde a essayé, personne ne réussit. Les Juifs arrivent, en quelques décennies, ils réussissent. Qu'est-ce qui se passe ? Vaïlo mikne tson ou mikne bakar ve avudaraba. Et c'est bien qu'on commençait à se multiplier. Vaïkanu oto plishtim. Voilà le makor ici, clair dans la Torah, il n'y en a pas un autre. L'akina. La jalousie. Actuellement, c'est un pays productif, à un très haut niveau. L'armée d'Israël est une puissante force et ils ont accompli des choses incroyables. Ça me fait penser à cette blague qui était sortie sur le net il n'y a pas tellement longtemps lorsque les Iraniens ou je ne sais plus qui ont dit « faut faire un embargo, on n'achète plus rien d'Israélien ». D'accord ? Alors est sortie toute une liste sur le net de 550 000 produits dont les Iraniens se servent, sans lesquels c'est la fin. C'est la fin pas de l'Iran, c'est la fin de la civilisation. Parce qu'aujourd'hui tout fonctionne avec des brevets israéliens. Que ce soit dans la médecine, la technologie, seulement quoi, des brevets où c'est pas marqué Made in Israel, parce que sinon ça serait pas vendu. Nombreuses sont les inventions qui ont amélioré notre qualité de vie et ont même pour certaines d'entre elles un impact pour le futur. Pourtant, bien souvent, peu de gens savent qui est derrière un logiciel ou un produit. Prenez par exemple le cas de la clé USB. Elle fut inventée par Scandisk Corporation, une société israélienne. Et donc depuis aujourd'hui, on sait que 90% du marché des puces des téléphones est d'invention israélienne. Tous les téléphones du monde entier marchent avec une invention israélienne. Le Waze aujourd'hui, qui permet à tout le monde de se déplacer dans le monde, est israélien au départ, avant d'avoir été vendu, etc. Et ne parlons pas dans la médecine, etc. Ne parlons même pas dans les médicaments et ces choses-là. Donc, ça c'est d'une manière, on pourrait dire, profane. Selon trois statistiques, les Juifs ne constituent qu'un pour cent de la race humaine. C'était au début du siècle dernier, on était 1%. Maintenant, comme je l'ai dit, on est beaucoup moins que cela. Cela évoque un vague et nébuleux saupoudrage de poussière d'étoiles perdues dans la traînée de la Voie lactée. Naturellement, on devrait à peine entendre parler du Juif. On a toujours entendu parler. Il tient autant de place sur la planète que n'importe quel autre peuple, malgré son infime importance numérique. Il a également contribué à la liste des grands noms du monde en littérature, science, art, musique, finance, médecine. On parle de lui de façon complètement non proportionnelle. Un non-juif. Israël est en train de devenir le numéro un de exportateurs et vendeurs des brevets technologiques et médicaux dont le monde entier a besoin, et surtout dans le domaine militaire.
Et c'est la puissance et la richesse de demain. En Israël, ce goût de l'innovation, ce succès des technologies, c'est une réalité florissante en termes techniques et technologiques, mais aussi en termes économiques. Vous connaissez les prix Nobel de la paix, vous voyez, ça existe depuis plusieurs décennies, vous voyez. Dans les prix Nobel, les Juifs ont, je dirais, ont raflé 53% des prix Nobel d'économie. Juste les Juifs. Ils ont raflé 38% des prix Nobel de physique, 29% des prix Nobel de médecine, 28% des prix Nobel de chimie, 27% des prix Nobel de littérature. Einstein était un juif. Et il y a beaucoup de savants. Comment se fait-il, Haruya, qu'il y a tellement de savants, Haruya, parmi les juifs, Haruya? Ils sont à peine 13 millions dans le monde entier, sur 6 milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Et en Israël, actuellement, il y a environ 6 à 6 millions seulement et demi, voyez, de véritables juifs. Et pourtant, ils ont reçu une grande partie des récompenses internationales les plus prestigieuses. C'est assez drôle pour ce qu'ils forment. Ils sont environ 2/10 de 1% de la population mondiale. Et ils ont raflé des prix Nobel et des prix Nobel. C'est quelque chose. C'est le peuple de Dieu. Israël est sur le point de mettre des technologies inimaginables sur le plan des armements. Inimaginables. Pas des armements d'attaque, des armements de défense, qu'on sera intouchable. Une sorte de buée électronique qui fera qu'aucun missile ne pourra nous atteindre. Israël est sur le point de l'avoir. Les Américains le savent. C'est une question de temps. Au niveau technologique, on est en train de rendre Israël inattaquable d'ici quelques années, mais le problème, c'est une course contre le temps. Et c'est ce que le monde sait. C'est pour ça qu'Israël aujourd'hui est en train de faire une course contre la montre pour trouver cette arme qui protégera électroniquement tout le pays contre des attaques de missiles. Et parce qu'on sait à quoi on s'attend. Maintenant, il y a d'autres choses aussi qui sont mises au point. On sait très bien qu'aujourd'hui, la victoire de demain, ce n'est plus une victoire contre les armes, c'est une victoire cybernétique. Si tu bloques les ordinateurs de l'ennemi, tu t'en fous de ces armes. Israël est sur le point de trouver un moyen de pouvoir, en une fraction de seconde, bloquer tous les ordinateurs du monde entier. On est à deux doigts de l'avoir, cette arme-là. Ce qui veut dire que la guerre de Gog et Magog va tourner à notre avantage, grâce au cerveau juif. Maintenant, les Américains, les Français, Fabius, tout ça, ils le savent. Et ils savent ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que c'est une course contre la montre. Évidemment. Parce que dès le moment où on a la possibilité de bloquer tous les ordinateurs du Pentagone ou de je ne sais où, d'accord. Comprenez. Et c'est une question de mois ou de petites années maximum. De bloquer, de prendre le contrôle, c'est-à-dire on pourrait utiliser leur arme. De bloquer, de prendre le contrôle, etc. Mais attends, mais tout le monde travaille là-dessus, les Américains les premiers, tout le monde travaille. Mais plus personne n'est intéressé au jeu, tu parles les missiles c'est présent pour hystérique. Aujourd'hui, tout le cerveau juif, ici en Israël, est mis dans ce problème-là. C'est que ça. C'est que ça. Les armes, c'est uniquement pour faire semblant. C'est pas ça la guerre de demain. La guerre de demain, c'est est-ce que tu arrives, oui ou non, à bloquer les ordinateurs de l'autre. Et en plus, ça a l'avantage d'être une guerre qui fait pas couler le sang. Parce que si eux bloquent les ordinateurs d'en face, c'est pour leur envoyer des missiles. Nous, c'est pas pour ça. Si nous, on arrive à bloquer les ordinateurs, on vous enverra pas des missiles. Parce qu'on veut pas votre mort, à la différence de vous. Mais au moins, vous nous foutez la paix. Donc ça se joue ici, c'est une guerre contre la montre. Qui va y arriver le premier, les Américains ou nous?
C'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus farouches. Parce que c'est cette guerre-là qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ils achètent nos savants. Et bien sûr, ils payent un prix d'or. Dès qu'ils entendent parler de quelqu'un qui. Ils l'achètent, lui, 10 fois le prix en dollars. Pourquoi ? Pour empêcher qu'on puisse être les premiers. C'est la vraie guerre. C'est la guerre dont personne ne parle. La guerre économique, la guerre des cerveaux. Le rachat des salaires qui montent même plus que l'Américain lui-même. Si c'est un Israélien, il va gagner plus encore. Pourquoi ? Empêcher Israël d'avoir cette arme. C'est que ça aujourd'hui. C'est que ça. Tout le reste. C'est pour ceux qui lisent les journaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Américains ne laisseront jamais les infrastructures du Hamas détruite entièrement. C'est la raison pour laquelle Kerry a déjà annoncé que 65 millions de dollars allaient être donnés au Hamas en passant par l'UNRWA. Pourquoi ? Parce que les Américains ont une peur bleue de ce qui se passerait ici si on n'avait pas besoin de dépenser quelques milliards de dollars tous les ans pour se protéger. Parce que les Américains, comme le monde entier, savent que s'il y a la paix ici, dans 10 ans, dans 20 ans, la superpuissance, c'est Israël. Et ça, ils ne sont pas prêts à l'accepter. La guerre est uniquement économique et rien de plus. Et une espèce d'énergie positive. Moi, ce qui m'a marqué ici, même en se baladant, même hier soir, etc., on a traîné un peu tard dans la nuit, on ne sent pas d'agressivité chez les gens. Tout le monde est cool. Quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça repose un peu de la France. C'est le mot de la fin. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on a traversé 3500 ans d'histoire dans des conditions pareilles qu'on est toujours là aujourd'hui? Et quel peuple, avec sa Torah, ses prix Nobel, ses premières pages dans tous les journaux? La Torah d'Israël. Est-ce que vous connaissez un peuple au monde qui a traversé ce que nous avons traversé et qui continue à être accroché en tant que peuple, sur pas des individus chacun en particulier, en tant que peuple, à la même Torah qu'il a reçue il y a 3500 ans sur le mont Sinaï et qui respecte les mêmes lois? Comment c'est possible une chose pareille?